Monsieur le ministre de l'Aménagement du territoire. Merci, Monsieur le ministre. La loi du 7 août 2015, dite loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, comporte dans ses dispositions principales la suppression de la clause de compétence générale pour les départements et les régions. De fait, vous remettez ainsi en cause l'intervention des départements dans plusieurs domaines et notamment dans le champ économique. C'est dommage car en Haute-Savoie, nous sommes à ce jour le premier financeur public d'un pôle de compétitivité, Mont-Blanc Industrie, œuvrant pour le dynamisme de l'industrie mécatronique. La politique économique portée par le département a permis depuis de nombreuses années de structurer les différentes filières présentes, mécatronique, outdoor, bois, images, biotechnologie, de soutenir l'innovation dans les entreprises, quelle que soit leur taille, et de mieux surmonter les moments de crise au niveau local. Face à cette rupture, puisqu'il ne s'agit pas d'un transfert de compétences, les acteurs économiques locaux expriment leurs inquiétudes grandissantes. Ils s'interrogent sur la pérennité des aides pouvant leur être accordées. Nous avons évidemment travaillé de concert avec la région Auvergne-Rhône-Alpes pour maintenir une certaine forme de continuité. Et je joins à cette question mon collègue Martial Sadier, vice-président de la région en charge des entreprises, de l'emploi et du développement économique. Monsieur le ministre, la loi NOTRe ne comporte pas pourtant des dispositions précises sur la possibilité pour la région de reprendre à sa charge dès 2017 les politiques conduites jusqu'alors par les départements. On le sait, les nouvelles régions doivent déjà réussir dans un temps très court la fusion des anciens périmètres régionaux, mais aussi assumer de nouvelles missions, dont certaines non financées. La délégation régionale de compétences économiques au profit du département semble être proscrite. Ne serait-ce pas pourtant un moyen efficace d'optimiser les ressources et les moyens publics au service d'une politique économique efficace et qui a fait ses preuves ? Si tel n'est pas le cas, il conviendrait au mieux de proroger le délai de mise en œuvre de la loi sur ce point afin de permettre aux départements de poursuivre leurs accompagnements économiques en 2017. Il apparaît nécessaire d'étendre d'un an la phase au cours de laquelle les départements peuvent maintenir les financements accordés aux organismes qu'ils ont créés antérieurement ou auxquels ils apportent un financement au titre du développement économique du territoire. Monsieur le ministre, nous sommes dans une situation de flou juridique dangereux pour notre tissu économique local qui nécessite des mesures de bon sens pour assurer la pérennité des aides économiques. Merci Madame Duby-Muller. La parole est à Monsieur le ministre de l'Aménagement du territoire. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Virginie Duby-Muller. La loi d'août 2015, dite loi NOTRe, comme vous venez de le souligner, a supprimé la clause de compétence générale des régions et des départements. Après d'ailleurs de très vifs débats, y compris ici et au Sénat. La région est donc désormais seule compétente pour définir et octroyer des aides en faveur de la création ou de l'extension d'activités économiques. En outre, elle détient la responsabilité exclusive de la définition sur son territoire des orientations en matière de développement économique et doit élaborer à ce titre le schéma régional de développement économique d'internationalisation et d'innovation SRDE2I qui doit être adopté avant le 31 décembre prochain. Le soutien et la participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire sont dorénavant réservés aux régions par la loi NOTRe. Au demeurant, le législateur que vous êtes a prévu une entrée en vigueur différée des dispositions relatives aux compétences en matière d'intervention économique. Ainsi, les dispositifs des articles 2 et 3 de la loi NOTRe relatives au SRDE2I et modifiant la répartition des compétences des collectivités territoriales en matière d'aide aux entreprises sont entrés en vigueur le 1er janvier dernier. Le législateur a prévu des dispositions transitoire particulière afin de permettre aux départements de poursuivre leurs accompagnements économiques. Ainsi, conformément aux dispositions du 6 de l'article 133, tout engagement pris par un département ou une région avant le 8 août 2015 peut se poursuivre jusqu'à son terme dans les conditions prévues lors de sa conclusion. C'est le cas que vous me soumettez. En outre, les dispositions spécifiques au département ont été introduites à l'article 2, grand 5, afin d'assurer, dans de bonnes conditions, le devenir des organismes créés pour concourir au développement économique. Ainsi, les départements sont donc autorisés, à titre dérogatoire, à maintenir les financements accordés aux organismes qu'ils ont créés antérieurement
ou auxquels ils participent pour concourir au développement économique jusqu'au 31 décembre prochain. Durant cette période transitoire, les régions organisent en CTAP un débat sur l'évolution de ces organismes. Mais vous l'avez compris, il s'agit bien sûr, et c'est ce que la loi a prévu, d'une période transitoire que le gouvernement ne souhaite pas transformer en période permanente en ajoutant, comme vous le souhaitiez, des délais supplémentaires. Merci, monsieur le ministre. C'est bon, madame Duby-Muller. Nous arrivons donc à une question de madame Marie-Louise Faure à monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire.